Lucky Kart est une société française spécialisée en data et en tech qui développe une solution pour la grande distribution alimentaire. Nous travaillons la donnée transactionnelle, qui est une donnée très volumineuse et très complexe, pour la transformer en activation personnalisée, ludique, efficace et gamifiée. Aujourd'hui, Lucky Kart, c'est 90% de couverture du marché de la grande distribution alimentaire. Nous produisons 800 millions de profils par jour pour nos consommateurs. Pour Lucky Kart, on avait un double enjeu d'un point de vue données, qui était d'une part une quantité de données très importante, et le deuxième, c'est le fait de pouvoir gérer en temps réel une grosse partie de cette information, avec l'objectif de réussir à satisfaire à la fois les shoppers, les annonceurs et les enseignes. À partir de ce moment-là, on avait besoin de trouver un partenaire qui comprenne la grande distribution et qui puisse nous aider d'un point de vue quantité de données. Google Cloud est devenu une évidence, et par ricochet, Devoteam G Cloud. Aujourd'hui, notre partenariat avec Lucky Kart, c'est un partenariat de bout en bout sur la brique Google Cloud, aussi bien sur la brique collaborative que sur la brique GCP. Nous avons commencé par les accompagner sur le déploiement et la migration de leur sujet data, et pour cela, nous nous sommes appuyés sur nos assets techniques que nous construisons au quotidien avec nos clients en fonction de leur enjeu sectoriel. Cette migration était évidemment un énorme défi technique pour nous, puisqu'on avait toute notre stack existante qu'il fallait bien entendu transférer, tout en respectant bien sûr la continuité client et les besoins de développement de nos équipes Engineering and Science. Dans ce contexte, Devoteam G Cloud nous a accompagnés sur les bascules, les mises en production et un vrai travail post-migration pour nous assurer que tout était bien géré. Cette bascule vers GCP nous a permis de passer en termes business d'un coverage de 60% du marché à un coverage de 90% du marché, tout en gagnant en efficacité sur le temps de développement, le temps de recherche et de construction d'algorithmes. Pour moi, les perspectives d'évolution s'orientent autour de trois axes. Un premier qui consiste à pouvoir migrer vers de nouvelles verticales, au-delà de la grande distribution alimentaire, et de nouvelles géographies. Deuxième aspect, qui est bien sûr de pouvoir continuer à pousser des techniques de recherche qui soient des techniques de pointe. Troisième point très important, c'est d'étoffer encore une logique de partenariat et de communauté. Le partenariat Devoteam G Cloud, nous en sommes très satisfaits et il nous semble évident qu'il faut continuer à le développer